Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement dimanche et ce matin, j'ai décidé que j'allais m'occuper de mon balcon parce que comme vous l'aurez vu avec les petits clips que j'ai tournés avant de partir, les fleurs n'ont pas très bien supporté le déménagement et là, il fait vraiment grise mine. Donc je me suis dit que j'allais passer chez Truffaut pour trouver quelques fleurs pour remplacer celles qui sont mortes et puis pour aménager ça un petit peu mieux. Et en fait, je me suis un peu cassé le nez parce qu'on est entre deux saisons et du coup, les vendeurs auxquels j'ai parlé m'ont dit qu'il fallait mieux attendre un bon mois pour plutôt mettre des plantes de saison et qui vont être vraiment jolies quand je vais les installer. Parce que là, toutes celles que je peux mettre, soit vont mourir d'ici peu, soit vont mal supporter les grosses chaleurs qu'il fait en ce moment. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris un petit arbuste qui va remplacer un de mes pieds de tomate qui est mort et qui va fleurir rose, que je vais installer. Je vais aussi enlever toutes celles qui sont mortes sur le balcon et puis je vais réaménager ça un petit peu mieux parce que quand on est arrivé, on a posé tous les bacs avec la terre sur le balcon. Et en fait, j'aimerais bien mettre ça dans un placard, mais nos placards sont pas aménagés. Donc on a des grands placards, mais sans étagères, ce qui fait qu'on peut pas vraiment les utiliser pour le moment. Je vais essayer de voir si je peux trouver une combine pour quand même mettre les bacs à l'intérieur, en attendant qu'ils soient aménagés et qu'on installe des étagères dedans. Et puis comme ça, quand le balcon sera terminé, je vais m'occuper d'accrocher les suspensions, ce que je devais faire hier, mais que je n'ai pas eu le temps de faire. C'est parti! J'ai réussi à empiler toutes les boîtes avec le matériel de jardinage juste ici. Et là, c'est des appareils de cuisine et mon sac de course qui est posé par-dessus. C'est pas super pratique, mais pour le moment, c'est ce que je peux faire de mieux en attendant qu'on installe de vraies étagères dans les placards. J'ai ouvert le dernier carton avec toutes les décorations murales et en fait, en les déballant, je me suis rendu compte que je savais pas où j'allais mettre la moitié d'entre elles parce que j'ai pas assez de recul tout simplement dans cet appartement-là pour savoir où je veux les accrocher. Ce qui se passe, c'est que j'en ai pas mal qui vont dans la salle à manger, mais j'aimerais bien mettre des étagères pour poser des plantes dessus et tant que j'ai pas posé les étagères, je peux pas savoir où je veux accrocher le reste. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà installé les crochets pour celles dont je suis sûre de savoir où elles vont, à savoir mon présentoir à boucle d'oreille dans la chambre, la trappe-rêve qui va au-dessus de notre lit, et j'ai aussi installé deux petits crochets pour accrocher les maniques et le torchon à main que j'ai mis sur le frigo juste derrière moi. Et en fait, j'ai utilisé le même système que ce que j'avais utilisé dans notre ancienne maison, c'est-à-dire que c'est des petits crochets transparents comme ça, il y a deux tailles, soit des grands, soit des plus petits, et ça s'attache avec des espèces de languettes comme ça qu'on colle directement au mur. C'est de la marque Commande, j'ai racheté d'autres languettes parce que j'en avais plus assez.
Et en fait, ce qui est bien avec ce système, c'est que ça permet de les enlever ensuite sans faire de traces. Donc on n'a pas besoin de percer de trous, de planter de clous ou quoi que ce soit. Ça abîme pas les murs et ça s'enlève super facilement quand on repart. Actuellement vendredi et je suis super contente parce que c'est enfin le week-end et que ce week-end il y a mon chéri qui vient me voir dans l'appartement. Il l'a pas encore vu avec tous les meubles, on l'avait visité une fois ensemble quand il était vide, mais là du coup il va venir voir à quoi ça ressemble et on va passer le week-end tous les deux, donc je suis vraiment ravie. Je vais vous laisser avec les images du balcon maintenant qu'il a été un petit peu réaménagé. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu et comme toujours, je vous dis à très très vite.